Ma galerie Artio est une galerie ouverte sur la rue, ouverte sur la ville. L'art est fait pour rentrer dans les maisons et ne pas rester enfermé dans les musées. Nous sommes dans une superbe galerie qui est ouverte depuis le mois de juin. Par Madame Laurence Dubois, qui est une découvreuse d'artistes et de talents. C'est une chercheuse de pépites, effectivement, et elle en a trouvé quelques-unes qui sont intéressantes. Dont vous-même. En face de moi, j'ai une pépite. Voilà. Celui-ci est mon préféré, c'est Gontran. Embrassé. Voilà. The door is open. C'est ma plus grande artiste, je lui ai vendu 12 tableaux cette année. Comment elle s'appelle ? Joëlle Trossier. Côté Drouot, côté tout ce que tu veux. Et je suis propriétaire de sa plus belle toile qui est le prix. Une exposition universelle de Shanghai. Et je ne savais pas, et c'est ce que je lui ai acheté. Donc elle bosse avec moi. Très très bon. Paris, Moscou, en projet, notre partenariat avec les États-Unis, New York, et puis effectivement j'ai déposé le concept Artio à l'IMPI et je souhaite ouvrir des galeries dans le monde entier. Berlin, les pays de l'Est qui sont... Là je travaille avec les Émirats Arabes. Que Artio inonde la planète, que les artistes bretons inondent la planète et qu'on reconnaisse qu'en Bretagne, bien que je ne suis pas chauvine, que je suis une humaniste, progressiste et profondément européenne, qu'en Bretagne, nous avons d'énormes talents. Je souhaiterais vraiment que les artistes que j'ai découverts, et pour certains qui sont en grande difficulté, soient en pleine lumière. Et comment ? En assurant leur promotion dans le monde entier, et qu'ils soient connus et reconnus, et si certains parmi eux peuvent entrer dans des musées, je ne serai plus là pour le voir, mais j'en serai ravie de là où je serai.